Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mardi 31 décembre. Je vous prends, il est 21h30, mais Mister and Daddy avait envie qu'on vous filme quelques petites étapes de notre soirée du réveillon. Vous verrez que aujourd'hui, enfin cette année en tout cas, pour le réveillon, on est tranquille comme je vous expliquais dans le vlog précédent. C'est pépère et mémère à la maison, d'accord. On va s'en coller une en amoureux. Non, demain on voudra aller au papa, donc on se couchera certainement en fait, pas le projet c'est ça, c'est on a couché les petits tôt, on va se faire un bon repas, voilà, et donc avec des bons produits, voilà, et puis demain on ira au Europa Park, donc on sera en forme, on aura la pêche. On espère, on verra toi, ça demain. Oui, toi, tu seras en train de décuver ou de gueuler, et nous on sera dans les attractions. Eh oui. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a acheté des langoustes et que c'est la première fois qu'on en achète. Donc on est novice, mais c'est pas grave. Donc voilà la petite bête qu'on a appelée Roseline. Roseline la langoustine. Il est trop fier de lui. Donc on l'a déjà entamé et puis son, on va vous montrer sa cousine. On l'a pas entamé. Hein. Mais on l'a pas donné, on l'a pas nommé. T'as dit quoi, Roselyne? Roselyne. Jocelyne. Jocelyne. Amie Jocelyne, la langoustine, ben celle-là, elle est déjà dans l'assiette. Voilà, et on en a pris deux. En fait, on aurait pu en prendre une, mais je sais pas, on savait pas trop. Ouais, mais au prix où on l'a touchée. Oui, elle était à moins 50. On vend 9,99€ la demi-langouste au traiteur. Là, la langouste entière, on l'a eu à 6€. Parce que sinon, elle était partie à la poubelle, alors on en a pris deux. Voilà. Tant mieux. On va faire du commerce noir de 2000 langoustes. Non, non, voilà, donc on s'essaye à la langouste ce soir. Enfin, on connaît, mais au menu, pas à la maison. En fait, au menu, c'est un menu vraiment... un peu ordinatoire. Voilà, foie gras... saumon fumé. Langouste, Jacqueline et Jocelyne et Roselyne. Roselyne. Rôti. Un petit roast beef. Et de la bûche pâtissière et de la bûche glacée. Voilà, je crois qu'on a deux. Pas d'accompagnement, rien. Cool c'est, voilà, c'est fait plaisir. Ouais, c'est avec cool. Les produits qu'on aime. Et puis on fait aussi dernier jour, non. Et on aura la bûche glacée de Noël à Nouvel An, voilà. Il avait oublié la bûche glacée. Gigi, si tu nous regardes, bah c'est nous qui allons la manger, pas toi. Bon, t'es en Inde, ok, d'accord, c'est bon. Ouais, ma soeur est en Inde pour le Nouvel An. Oui, excuse-toi. Chacun ses... Invité à un mariage, bon, voilà. Chacun son truc. T'as raison, il faut profiter. Non, c'est clair. Ah oui, donc vous avez été nombreux et nombreuses à ne pas commenter et quelques-uns à commenter. Sur l'Instagram de Mister and Daddy, vous avez en fait... Certains ont vu, voilà, si vous allez sur mon Insta. On vous annonce ça là comme ça en pyjama, c'était pas prévu. C'est pas grave, on s'en fout. Je pense que ça n'intéresse plus. Vous avez vu donc une petite vidéo de ma voiture filmée noire. En fait, est-ce que c'était vraiment ma voiture? Mon ancienne, ma nouvelle ou pas? Donc décorée avec du film noir, des poireaux, des feuilles de choux vert frisé s'il vous plaît mesdames et messieurs, un pied de porc, de la farine. Pourquoi je ne sais pas. Bon, c'était un bizutage. Le bizutage de mon départ. Alors vous c'était avez été... ça la nouvelle. Voilà, Julien quitte... Je quitte le magasin, mais je quitte aussi le groupe. J'ai démissionné. Donc il n'y a pas de mutation. Donc voilà, vous allez tous dans le baba au Rhum. Non, il n'y a pas de mutation. Il y aurait dû avoir en fait une mutation au mois de mars. Du coup, on aurait dû déménager au mois de mars. Mais on ne savait pas la date, rien. Bon, on s'en doutait. On n'était pas au courant. Qu'il allait y avoir une mutation. Non, il y a eu des missions avant qu'il y ait une mutation. Mais en fait, avant même de le savoir, j'ai eu une autre opportunité. Donc j'ai démissionné en très très très... Tu dis pas où tu vas ? Très très bon terme. Oui, un excellent terme. Perfect terme. Donc c'est le plus important, je pense. J'avais besoin de... d'aller m'enrichir professionnellement. Il a besoin d'aller voir ailleurs. Et de découvrir autre chose. Vraiment que c'est professionnel. Voilà. Bon, c'est aussi pour gagner en compétences aussi, pour me remettre en question, pour... voilà. Besoin d'en connaître plus sur d'autres fonctionnements pour pouvoir
être un meilleur expert. Non, mais je trouve que c'est pas facile hein, de démissionner d'un poste pour aller voir ailleurs et voir comment ça se passe. C'est ce que je lui disais, moi j'aurais jamais eu le courage de le faire. Voilà. Chacun. Je suis en train de vous dire ça avec une veste polaire. Je pensais qu'on allait faire une belle annonce. Donc, il n'y aura pas de mutation, il n'y aura pas de changement de maison, en tout cas pas maintenant. Attends, on est en tenue du 31 là. Oui, grave. Le changement de maison, s'il y a. Je pense qu'il y en aura un fin d'année prochaine. Changement de maison, 2020. Oui, ça on verra pour l'instant. Bah, moi je vous le dis, parce que c'est moi qui prends la décision. Là, c'est moi qui ai pris la décision. Ah, oh, pas seul. Non, parce que pour prendre la décision, ça a été compliqué. Parce que. Enfin, bref, on va pas revenir sur ça, je pense que c'est un peu privé, mais. La décision a été compliquée à prendre, mais elle a été prise et on verra ce que ça donne. On l'a prise en deux temps. Alors par contre, il reste dans la grande distribution, pour celles qui se demandaient, et non, il va pas être plus souvent là. Je crois qu'il va être encore moins souvent là. Je pars pas pour un paradis doré. Hein. Non, on sait que ça va pas être... J'ai vraiment une remise en question et un besoin de voir un peu comment ça se passe ailleurs. De tester mes compétences dans une autre enseigne, avec un autre fonctionnement, avec... notre pratique, enfin, plein de choses qui diffèrent. Pour l'enseigne, on va pas vous la dire tout de suite, on vous laisse deviner, vous savez juste, on peut juste vous dire que c'est une enseigne que nous affectionnons particulièrement. Ah, il y en a deux qu'on affectionne particulièrement, voilà. À vos commentaires. On affectionne particulièrement, moi aussi, bah forcément, mais... On verra bien, allez. Allez, on vous laisse, on va s'occuper de nos langoustes. Ça fait quand même 6 minutes qu'on parle pour dire ça. Tout va bien, on est beau. Hein, et pendant ce temps, Jacqueline et Roselyne, elles vont être toutes impatientes. Hein. Je sais pas si c'est, il faut pas les garder au frais. Ça va les filles? Oui, elle remue la queue. Oh, bien, allez. Bon, allez, on vous laisse. Excuse-moi, c'est la musique du Nouvel An. Oui, demain. C'est la catastrophe. Qu'est-ce que nous a fait encore? Encore. Pas possible ça. J'ai pris un saladier, j'ai ouvert et bam. C'est quoi ce bordel? Non, bah, j'ai envie de pleurer là tout de suite. Hein. On a partout là-dedans, partout. Partout. Après, ça arrivait à moi, ça aurait pu arriver à quelqu'un d'autre. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Elle a déjà trop bu, il est 10h moins le quart. N'importe quoi! On s'est même pas posé, on a rien fait! Oh là là! Il faut prendre une pelle et une balayette. Ben oui, où ça? Là, derrière toi. Allez hop, c'est bon, parce qu'il attend ça. Coucou! Bienvenue à Europa Park! Oh là là! Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je suis avec Lily dans une petite locomotive. Et on est devant un chevalier. Et derrière, il y a maman qui est pas loin avec Aaron. Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est journée Europa Park. Allez, là, Lily, actionne la cloche. Regarde, c'est là. Ah oui. Bonjour. Qui c'est qui parle? Ah, des petits fruits et légumes dans la fenêtre. Regarde, Lily, dans la maison. Oh, une petite épicerie. Un petit beignet au chocolat pour papa. Allez, on vous retrouve et on vous accompagne tout à l'heure avec nous, tout au long de la journée. En musique, s'il vous plaît. Coucou maman. Ça va? Ça va, et toi? On est où là? On est sur le bateau. Ah là là. Sur le bateau, il y a quelque chose pour tenir le bateau. Qu'est-ce qu'il y a, ma Lily? En fait, dans le bateau, tu dois rester assis. Monsieur. Je vais par là parce que ça va couler. Tu crois qu'on va couler? Ouais. Si c'est pas équilibré. Bonjour monsieur. Nous voici dans le tunnel du bateau.
une petite fée. Ça va mon chéri? T'as vu les poupées? Il y en a plein. Hein. Bon, je vous prends rapidement, on est en train de se faire une petite pause goûter. Regardez le gâteau que je vais manger. Ceci, Aaron, comme d'habitude, lui, ce qu'il veut, c'est des bananes. Pas très... En ce moment, c'est que des fruits, donc c'est très bien. Mon café au lait, je me suis trompée de tasse, donc il a débordé de partout. Enfin bref, c'est pas grave. C'est très rigolo. Quand tu dois faire couler un café dans une tasse, dans un bol, et que tu le fais couler dans une tasse, et que tu te retrouves pas quand ça déborde. Donc voilà, bah, écoutez, on se fait une petite pause parce qu'il fait super froid, on va pas tarder à rentrer. Oula! Ouh là là, coucou. Je vous prends face à face. On arrive en fin de journée, on a les lumières, il fait trop beau. Enfin trop beau, non, il fait pas trop beau, il fait très froid. Mais avec les lumières, c'est très beau. Je vais vous montrer. Il n'arrête pas de tomber, Aaron, il est fatigué. Je vais vous filmer directement les petites décos, c'est tout mignon. Attends, voilà. Oui, Aaron, on va faire le manège si vous êtes sage. Bon, ils ont fait un petit tour de manège. Les pauvres, les gens, ils ont, enfin, ceux qui tiennent les manèges et tout, c'est vrai qu'eux, ils bougent pas. Ils ont froid. Le monsieur, là, il m'a dit, il fait moins 2, genre, qu'il en avait marre. Je peux comprendre. Non, 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 Aaron, non. Allez, venez, on va voir. Oh, j'ai bien serpent. Bon, je peux plus montrer les enfants, c'est compliqué. Du coup, je vais couper tous les moments, je les montre, c'est compliqué. Aaron a foncé vers le manège et je lui ai dit attends, il écoutait pas. Le monsieur lui a dit faut attendre. Aaron, il a croisé les bras, il a dit non, pas envie. Puis il a fait ça aussi tout à l'heure avec une dame qui l'a attrapé parce que j'essayais de le reprendre, il voulait pas. Enfin, c'était. Coucou, bon moi je vous prends, on est le lendemain, je suis en train de procéder au montage du vlog et je m'aperçois que je ne l'ai pas clôturé, donc je vais le faire maintenant, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Nous on a passé une super journée à Europa Park, c'était vraiment top, et voilà, on s'est fait ça l'année dernière, on s'est fait ça cette année, on verra si on fait ça tous les ans. J'aimerais bien y retourner quand même un jour où il fait beau, parce que clairement dans le froid c'est bien, mais quand il fait chaud c'est peut-être un peu mieux, pas trop chaud hein, mais le printemps ça peut être cool. Voilà, allez, je vous laisse, je fais le montage du vlog, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.